Le ventre de cette femme nar, négation logique t'es pas de gonfler après point d'interrogation inversé s l'accouchement. Quand les médecins l'ont opéré, il t'est stupéfait. Être maman est l'expérience la plus panouissante de la vie d'une femme. De la conception du bébé à sa naissance, chaque étape de la grossesse a un charme particulier. Seulement beaucoup de femmes enceintes redoutent l'accouchement et ses complications et l'histoire de Yulina justifie cette angoisse. Négation logique mais si l'accouchement signifie la fin d'une longue attente et l'arrivée imminente d'un petit, négation logique très tant attendu, il est souvent source d'inquiétude et d'angoisse pour les mamans. En plus de la douleur physique, celles-ci craignent également l'éventuelle complication qui peuvent l'accompagner, aussi bien pour elles que pour leur bébé. Dans ce qui suit, vous retrouverez l'histoire d'une jeune maman russe qui, après point d'interrogation inversé s son accouchement, son ventre ne cessait d'augmenter de volume. Voici ce qui s'est passé. Yulina Selina est une jeune femme de 34 ans vivant à Saint-Pétersbourg en Russie. Tant à ses derniers moments de grossesse, elle attendait impatiemment le jour où elle allait donner enfin naissance à son second enfant. Au début du travail, Yulia a manifesté son désir d'accoucher par voix basse et tout semblait aller au mieux. Cependant, les choses commencent haut et à se compliquer et les médecins ont décidé d'opter pour un accouchement par césarienne, ce que la jeune femme a accepté pour sauver la vie de sa fille qu'elle attendait depuis 9 longs mois. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en prenant cette décision, c'était sa propre vie qu'elle mettait en danger. Dima SNE en bonne santé mais rapidement après point d'interrogation inversé s sa naissance, sa maman a commencé à se sentir de plus en plus mal. En allant consulter, les médecins avaient pris ses plaintes à la LG point d'interrogation inversé re, mettant son tâte sur le compte de la césarienne. Cependant, le tâte de la jeune maman s'aggravait progressivement, jusqu'à devenir critique. Elle souffrait de fibres point d'interrogation inversé re et de douleurs atroces et insupportables. Après point d'interrogation inversé s un malaise intense et beaucoup d'insistance, elle avait finalement été transportée à un autre hôpital, où les médecins lui ont fait une échographie pour déterminer la cause exacte de son TAT. Les résultats de l'examen ont montré la présence dans son ventre, d'une grande quantité de liquide et d'un corps étranger. La jeune point d'interrogation inversé a été immédiatement transférée à la salle d'opération où elle reste plus de 5 heures. Les chirurgiens lui ont extrait 2,5 litres de pus et une blouse de médecin abandonnée dans son abdomen depuis la naissance de la petite Dima. L'équipe de chirurgiens affirme, négation logique très sidéreux par leur trouvaille et ne savait pas comment une telle chose pouvait se produire. Après point d'interrogation inversé s avoir vu les images, Yulia est reste complet point d'interrogation inversé tement choque. Être toujours en vie était pour elle un miracle. À l'irresponsabilité des médecins à qui elle avait confié sa vie et celle de sa fille lui causait une grande consternation. Mais, négation logique mais si la famille de la jeune femme et ses avocats ont essayé de la convaincre de porter plainte contre l'hôpital pour négligence, et ainsi négation logique cher qu'un drame pareil ne se RP point d'interrogation inversé Yulia avait décidé de leur pardonner, car pour elle, l'essentiel est que tout allait bien pour elle et pour sa fillette. L'histoire de Yulia est surprenante et a scandalisé beaucoup de personnes à travers le monde. Heureusement que tout s'est bien terminé pour elle, car les choses auraient pu, négation logique très pire si elle n'avait pas insisté pour, négation logique très ausculteux.